J'ai oublié de mettre ma main. Quand j'ai fait sortir le fétiche, ça m'a électrocuté jusqu'à j'étais sorti. La tête de Varan. C'est elle-là, mais la vidéo là. La tête de Varan. La patte de nègre. Son nom écrit en arabe. C'était dans la bouche de Varan. On a enlevé ça. Quand on a fini là, une semaine après, diabète est parti. Ingénieur Renan est parti. Tension a disparu. Et ça, on appelle la maladie mystique. Aujourd'hui, il a une promotion. Il est le responsable de toutes les prisons civiles. Toutes les prisons civiles de Côte d'Ivoire. Il a déjà prédit ça. Il est béni, 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 béni. Donc la sorcellerie, c'est le mal. Et Dieu nous a donné ce don-là. Voilà. Elle aussi, elle avait ce problème aussi. Elle était paralysée depuis Paris. Ça coûte un an aujourd'hui à Zaroko. Elle était paralysée. Elle marchait des béquilles. Je lui ai dit au téléphone, il y a un fétiche chez toi. Je suis allé là-bas, on ne se connaissait pas sur le téléphone. Je suis allé détruire le fétiche. Et puis elle a commencé à marcher. Dans ce monde, dans rien, voilà, Dieu va vous délivrer. Quand vous venez, on vous scanne, on sait ce qui se passe. On va vous délivrer. Amen. Pour cacher Bayala. Hey. Elle est possédée ici. Il y a les parties du corps de la femme, un homme qui regarde le bébé autre chose. Donc vous aidez tout le monde. Il faut pas tout le monde qui est délivré. Maman, tu es béni, maman, elle va te manger. Elle là. Oh. Vous voyez les petites filles, elle est choco, hein. Allez pas. Les gars te montrer. Qui a mis sucre dans papaye? Ma tête, tu te lèves dans ta tête sans tu dis ta soumise. Elle a déjà moyen sa tête. Elle sort plat là, elle placage. Ça, ça va vite, vite. Vous voyez les petites filles, elles sont dangereuses, hein. Ah, elle lui-même le sodomise. Il drague une petite. Elle dit allons-y. Je ne dis pas non. Hein, alors. C'est qui était montré. Il y a une plaie de ventre. Vous voyez les petites, vous voyez au point. Elles sont dangereuses. Lâche-la. Lâche-la. Puis sors de la sorcellerie. Esprit méchant de la sorcellerie. Tu vas quitter ce corps. Non, Jésus. C'est un ordre. Parce que quand le sorcier parle, il faut, faut chasser le démon. C'est un démon qui en est. Tant que le démon ne quitte pas le corps, sera difficile. Tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Au nom de Jésus, tu vas quitter sa vie. Tu vas quitter sa vie. Non, si. Non, tu vas quitter sa vie. C'est un ordre. Tu iras la vie. Au nom de Jésus, il va quitter sa vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Nous allons tenir debout. Tu la mets sur la tête, je vais prier. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta main forte et puissante que tu tends encore sur chacun d'entre nous. Merci pour la manifestation de ton pouvoir et ton règne. Merci d'agir pleinement et puissamment. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Ici, c'est un centre d'écoute. C'est notre cabinet d'écoute. Notre centre de délivrance se trouve à Zaroko. Nous sommes en train de voir doucement, mettre une organisation en place pour aider au maximum de personnes. Je vous annonce aussi que à partir du mercredi prochain, nous avons une retraite qui démarre. Comment maîtriser les esprits des temps en mettant en position une action prophétique. Parce que nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. On a septembre, on a octobre, on a novembre et décembre. Ce sera ce qui sera enseigné et nous allons positionner les actions prophétiques. Amen. Amen. Voilà, nous allons positionner les actions prophétiques pour détruire tous les esprits autour de nous. Donc, entre mercredi, ça commence la retraite à partir des Zaroko. Nous avons une grande veillée le samedi et vendredi. Une grande veillée. Amen. Amen. Mais tout à l'heure, je vais recevoir ce que je peux recevoir par la grâce de Dieu.
Amen. Il y a des gens que je vais libérer ce matin. Et les gens que je vais recevoir par la grâce de Dieu. Je vais organiser ça tout à l'heure. Bonne journée à tout le monde.